Commence la journée de la Saint-Valentin avec Alexis, je la termine avec qui? Ah oui, ce soir, je rentre chez moi, ça va être quoi? Je vais ouvrir la porte, un chemin de pétales de rose en direction de la salle de bain, je vais ouvrir, bam! Je vais tomber sur qui? Mélenchon, serviette en turban sur la tête, allongé dans un bain moussant qui va me dire, tu viens mon biquet? Mais je pense que si Alexis est là ce matin, c'est un coup de pression sur la direction montée par Rima Abdulmalak. Rima Abdulmalak, la ministre de la Culture. Ah ouais, bah comme vous, je la connaissais pas. Je pensais que c'était la dernière recrue de l'équipe féminine du PSG, mais non. Non, non, on est sous surveillance, les caméras, c'est là, c'est pas pour le réseau social, c'est pour dire qu'on fait bien notre travail. Et parce que vous voyez, c'est en ce moment là elle est dans son bureau, elle nous regarde, tu sais, de dos dans un fauteuil, tu vois, avec un gant en acier, là, en train de gratter un chat, tu vois. Tu vois, parce que comme le gouvernement est dans un fight avec LFI, elle veut vérifier qu'on soit bien hard, tu vois. Donc désolé Corbière, là pour vous, on va être obligé de défendre la réforme des retraites et dire du mal de LFI, hein, et ça va pas être évident. Dire du mal d'Alexis Corbière. Alors, je sais plus quel philosophe disait, plus j'écoute Louis Boyard, plus j'aime Alexis Corbière. Okay.